Explorateur ou amateur de lieux abandonnés, bienvenue. Aujourd'hui, je vous partage les séquences encore non publiées jusqu'à présent des diverses explorations que j'ai eu la chance de mener dans un centre psychiatrique chargé d'un passé sombre et troublant. Je vous ai déjà partagé des enquêtes paranormales et urbex de lieux spécifiques tels que la chapelle, le bloc médical et le funérarium. Je vous embarque maintenant avec moi en caméra embarquée, de jour comme de nuit, explorer tout le reste du spot. Avant de fermer, cet endroit était protégé par des gardiens. Nous devions alors souvent nous baisser et ne pas nous faire voir. Je tiens à vous préciser, pour ceux qui n'auraient pas vu les précédentes vidéos, que ce lieu me semble habité par les résidents qui demeurent encore sur les lieux. Donc là, c'est une petite résidence. J'avais pas vu ça. Oh, chambre d'enfant. C'est au coin. Regarde, Alain, Michel. À avoir des chambres, des dortoirs, je pense. Ah, petite déco. C'est ouvert. On est sur les toits là. Montez. Ah, on peut monter. Ouais. Là, c'était la chambre de quelqu'un ici. Ouais, c'est tout petit, non? Ouais. Et que des enfants. Du coup, ça va être des chambres à rugby.
peut-être qu'on aura idem que des chambres en haut. Hein. Ah. Ah, on était déjà ici. On était déjà là. Très très beau, franchement. Ah oui. Ah, c'est sympa. C'est ici le... Avec les yeux bleus. Regarde. Je me demandais, hein, t'as des trucs comme ça, tu refais et tout. Hein. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Des tableaux avec une baignoire. Ok. Ouais, c'est ça, c'est ok. Oh là là, ça a été pillé. La chambre numéro 7, Catherine, Louise et Michel. C'est la chambre de Catherine, Louise et Michel. Eh ouais. Ouais, il y a leurs affaires, leur lit partout, quoi. Ouais. Mais. C'était les derniers résidents. Leurs affaires, c'est normal, hein. Bien sûr. Tout a été vidé, saccagé, hein. Ouais. Oh, la vue. Ah ouais. Je vais choisir une petite photo. Carrément. Trop beau. Bon, là, on est déjà dans le truc super intéressant. Nous sommes dans les. Le terme est oh là, regarde, oh j'adore quand c'est personnalisé comme ça. Regarde, oh tous les dessins, toutes les peintures. Oh le vélo, c'est ouais. Wow. Ah, ça doit être une salle d'art ou un truc comme ça ici. Ouais. Ou un truc de sport, je sais pas ce qu'il faisait. Sympa. Ah, tu t'as joué, il est beau. Ouais. Ouais, franchement, ouais. Ok. Ouais, c'est ça en fait, c'est cassé tout. Ouais. Oh! Dans un lieu un peu comme ça, il y avait encore des affaires, ça donne envie de faire des enquêtes ici. Mais on doit revenir, là on n'a plus tout le temps de chercher un lieu. Regarde, Amandine, viens voir. Impatiente,
Strasbourg, le Noël du partage. Ça, c'est quel lieu? Ouais. La souris en noir. Les villes coupées du monde. Ouais. 13 morts sans se blesser. Cimetière. Les Français par rapport à Ah, j'aime bien ça. Regarde, il y a un DNA qui date de quand, là? 2008. Ah bah, donc c'était de la salle télé, ça. Ouais. Ouais, j'avais trouvé des agendas aussi, 2006, 2007. Ah, c'est quoi? Ouais. Hein? Je vois ça aller en premier, mais j'ai pas de lumière. Ouais. J'ai pas sorti ma grande lumière. Oh, le siège, il est magnifique. Magnifique. Ah, ça pue. Ouais, ça pue. Salle de réunion, on s'en fiche, mais bon. Tout a été saccagé ici. Ah, regardez. Ça y est ? Ouais. Regarde, ils ont jeté tous les trucs de déco de Noël et tout. Putain, ils sont nuls. Ouais, ils sont nazes, hein. Il y a une crèche, je sens. Mais oui. Ouais. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est ? Robert Schumann, d'accord. Moi, j'aimerais, tu sais, entendre leur... Des fois, ils faisaient des... Individuel 1, ça c'est intéressant. Oh, là, je vais écouter à la maison, ouais. Mardi 1, regarde. Oh, c'est ça, il faut qu'on garde. Monique. Oh, c'est leur voix. Ah, ah ouais. B. Franchement, il faudrait qu'on regarde ça. Mais c'est hyper intéressant. Ouais. B, J, H, qu'est-ce que ça peut être? Oh, faut les écouter. Tu sais que j'ai un lecteur de cassette à la maison. Ouais. Ah, on est là, on est arrivé par là en bas. Ouais. Regarde ça, mon Dieu. Ah. Je vais faire des photos ici, là, c'est pas possible. Wow. Mais what? Un piano ici, en plein milieu. Oh.
Mais... Écoute, c'est de l'art urbain, hein, que veux-tu? Regarde, Amandine. Ouais, vaut mieux voir quand même, ouais. Ah non, on est déjà descendu là, non? Mais non. Ah bon? Oui. Ah non, c'est un autre truc. Ouais, c'est un autre. Ah, il y a quand même des croix là. Donc. Reviens. Vas-y. C'est un petit labyrinthe, ouais. J'adore ces meubles, ils sont beaux. Vas-y. Ah. Je sais pas trop. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Tu pourrais le repeindre, un truc sympa. Mais c'était pour les enfants ici, ouais, ouais, pour faire les spectacles. Il y avait un ancien baby-foot, regarde, le truc de baby-foot. Ouais. Je vais prendre un peu plus petit. Ouais, ouais. Il est assez fantomatique. Ouais, ouais, je trouve aussi. Mon dieu. Le patron, on le voit avec ses membres et tout. C'est avec la chaise. Attends, attends, je prends ma grande lumière, on va se péter la gueule, sinon, voilà. Toujours des chaises, qu'est-ce qu'il y a de foutre là? Toujours des chaises comme ça, c'est le même. Ouais. En fait, il y a des coussins qui s'asseyaient, il y a un truc. Ouais, voilà. Il y a toujours une chaise en fait. Ouais. Là, il y a quoi? C'est vachement petit. Il y a énormément d'araignées, ça me dégoûte et ça va dans le mur. D'accord. Ça mène à rien du tout. C'est pas vrai, enfin? Non. Et? Ouais, les pièces d'isolement. Oh là là, faut faire une enquête ici, on dit. Il y a un faux cadeau en plein milieu. Je pense, hein. Franchement, je pense que c'est là. Je trouve que c'est... Les petites pièces que c'est, je pense que c'est là. Il y a une petite lumière. Ouais, franchement, ouais. Et là, il n'y a aucune fenêtre, mis à part. Parce qu'à côté, ça pourrait péter, ça. Hein? Oh, bah c'est foutu, c'est fini. Je le reprends plus, ensuite, imagine. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je sais pas, Amandine, si c'est les pièces d'isolement. Regarde, il y a beaucoup de déco là-dedans, et puis en même temps, ils auraient pu aussi péter les. Ils auraient pu péter les. C'est ce que je dis, en fait, les fenêtres, elles étaient trop sensibles, fragiles. Ouais, c'est ça. Mais du coup, il y a des chambres ici. Je sais pas. Il est enfermé, ok. Bizarre. Voilà, c'est un peu dangereux. Hein. C'est à nos risques et périls. Tout est détruit, c'est pas une bonne idée. Ah, il y a pas mal de choses là-dedans. Ah ouais. Il y a pas mal d'affaires personnelles. Oui, c'est là et...
ils sont pas mal gros. Des casquettes, des vêtements. Ouais. Ouais, hein, t'as vu ça? Bah oui, bien sûr. Qu'est-ce ici? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Regarde, il y en a pareil, Amandine. Regarde celle-là. Si on pouvait visiter. C'est pas vrai. Mais oui. Ouais, c'est fou. Oh, ça va sortir la grande lumière là. Je n'ai pas encore sorti. Ok. Ouais, c'est le... Il y a une porte. Mais il y a un vrai pas de vrai. C'est vide.